Eh bien, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps d'étude. Je suis en compagnie donc de Virginie, de Marthe et de Saoli. Nous allons étudier aujourd'hui un Dieu de grâce et de jugement, deux éléments qui peuvent paraître assez contradictoires. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec reconnaissance que nous nous tournons vers toi pour étudier ta parole. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui nous aime et qui veut nous donner la compréhension de ces messages que tu as donnés aux hommes à travers tes prophètes. Et nous voulons te remercier de nous donner l'occasion, maintenant, de pouvoir les étudier et les comprendre par ton esprit. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors, qu'est-ce que ça vous suggère ce titre, un Dieu de grâce et de jugement? Y a-t-il pas une contradiction entre la grâce et le jugement? A priori, ça pourrait être contradictoire. Parce que quand on parle de jugement, on voit condamnation. Oh. Et en même temps, grâce. Quand on sait l'amour de Dieu pour nous, on ne peut même pas concevoir qu'il y ait un jugement sans qu'il y ait une grâce. Voilà. Alors, tu as exprimé les deux mots. La grâce, c'est la notion de libération pour nous, hein, à nos oreilles, et le jugement est synonyme de condamnation. Alors, on a l'impression qu'il y a un conflit entre les deux. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens, peut-être, ou des hommes, qui, voulant absolument mettre la grâce en avant, annulent totalement la notion de jugement. Or, malheureusement, il faut le dire, pour cette vision des choses, malheureusement, la Bible, elle, est très claire. Il y a un jugement. Alors, il faut voir comment concilier les deux. Alors, oui, Saoli? Il y a un aspect qui oppose totalement les deux notions. On va dire que c'est un aspect comptable. Dans le jugement côté négatif qu'on pourrait avoir, c'est quand on a fauté, on doit payer. Mm-hmm. Par contre, la grâce, elle est gratuite. Et voilà. C'est ce que Dieu nous offre. Donc, on retrouve cette opposition. Hein. Alors, la grâce aussi, c'est vrai qu'elle est gratuite. C'est une libération. C'est aussi une rédemption, c'est aussi un rachat. Mm-hmm. Donc, oui, c'est vrai que lorsqu'on associe rachat, jugement, libération, grâce et jugement, bon, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à les mettre ensemble. Alors, on va voir avec un certain nombre de textes bibliques pour essayer de comprendre cela. Nous allons donc voir au travers d'un certain nombre de textes de la parole de Dieu ces deux notions de grâce et de jugement, et nous allons essayer de les comprendre. Donc on va lire tout d'abord dans Ecclésiaste au chapitre 12, les versets 13 et 14, parce que déjà, ici, on nous dit clairement qu'il y a un jugement, et c'est intéressant de voir ce que dit la parole de Dieu. Virginie, tu veux bien lire ces passages? Oui. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Voilà, sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Et les questions du jugement, tout sera amené en jugement. Dieu est en train de nous dire, clairement, je crois que quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas. Et il dit clairement, un jour, tout sera jugé. Donc, voilà, Dieu est clair. Alors, Dieu est grâce, mais en même temps, Dieu est juge. Dieu est juste. Et Dieu ne peut pas laisser les choses sans jugement. Hein? Alors, on va voir comment la grâce va pouvoir s'allier à cette notion de jugement. Et c'est là que c'est merveilleux. Hein? Donc, quand on regarde ce texte, hein, il amènera tout en jugement. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va juger. Il y a un jour prévu pour cela. Hein? Nous avons un jour pour le jugement. Dieu jugera son peuple
Dieu va juger. Et pour comprendre déjà cette notion de grâce et de jugement, regardons un deuxième texte. Il se trouve dans la Genèse, et au verset 3, chapitre 3, et donc à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda : Où es-tu ? Celui-ci répondit : Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Adam répondit : C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompée, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer juste avant ? C'est la désobéissance. Hein. Ce sont voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire ? Le premier péché. Hein, Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? La désobéissance. Ils ont pris le fruit. Ils ont mangé le fruit défendu. Voilà. Hein. C'est important parce que Dieu y fait référence dans le texte qu'on vient de lire. Hein? Donc, ce qui vient de se passer, Adam et Ève ont mangé le fruit, excusez-moi. Et Dieu le sait très bien. Dieu sait tout. Hein? Mais voyez comment Dieu agit. Voilà ce Dieu qui vient juger là, une action négative. Et c'est intéressant de voir comment il fait. Il pose des questions. Déjà. Il pose des questions, il interroge, il parle, et vous pouvez regarder, il ne condamne pas. Nous aurions tendance à dire, quoi, tu as fait ça ? Ah, je t'avais pourtant prévenu qu'il ne fallait pas toucher. On aurait accusé. Lui, il dit, attends, pourquoi tu te caches là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il sait ce qui se passe. C'est lui. Oui, parce que l'homme s'enfuit. Hein. Si Dieu ne vient pas vers l'homme, c'est impossible. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, là, dans le jugement, vient vers l'homme et il le protège dans le jugement. C'est beau de voir ça. Dieu le protège parce que, en lui faisant dire ce qu'il dit, il le libère du poids de la culpabilité. J'ai remarqué qu'à travers les âges, depuis le commencement, c'est toujours Dieu qui fait la démarche, qui vient vers sa créature, qui lui tend la main pour la sauver, pour la raisonner, pour en quelque sorte le faire revenir à lui. C'est toujours Dieu qui va, qui appelle. Et vous avez vu dans ce passage... est-ce que tu aurais mangé du fruit défendu ? Il le sait, le Seigneur, hein, et... il n'est pas dupe. Mais il le fait exprès, parce qu'il faut que la faute soit avouée, il faut qu'elle soit dite pour que l'homme soit libéré. Hein? Et il fait œuvre de psychologue, là, le Seigneur. Hein? Il agit avec une tendresse et une délicatesse extraordinaire. On voit toujours ce texte comme quelque chose de négatif, alors que c'est extraordinairement beau. La manière dont Dieu fait pour libérer l'homme. Par contre, on voit la réaction d'Adam qui est pleinement homme. C'est-à-dire que lui, il se défile et il rejette la faute sur Ève. Ça vous est jamais arrivé ? Et Ève fait de même aussi. Mais on est tous comme ça. Hein. Oui, mais c'est quand ça, on a fait une bêtise homme. À plusieurs, c'est pas moi, c'est lui. Voilà, c'est ça. On est tous. Fait, mais c'est à cause d'eux. Ben oui. Oh ben si je l'ai fait, c'est parce qu'elle m'a dit d'eux, ou il m'a dit d'eux, ou parce que. Hein, on a toujours de bonnes excuses. Et d'ailleurs, c'est toi qui me l'as mis à côté. Voilà. Alors, bon, après, il lui dit ça en plus. Hein, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Voilà. Bon, ça, c'est le côté purement humain. Mais ce que je veux voir, moi, c'est le juge, là. Ce juge. Ouais. Parce qu'il faut comprendre la grâce dans le jugement. Et là, la grâce, elle est en action.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, si on reste dans Genèse, dans le chapitre 3, le verset 21, on voit aussi là que Dieu va poser un acte de grâce en faveur d'Adam et Ève. Oui. L'Éternel, Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, mmh. et les leur mit. Mmh. Il va leur donner des vêtements. Mmh. Parce que bon, ils ont perdu le vêtement de gloire qu'ils mmh. possédaient quand ils étaient sans péché. Mmh. C'est pour ça qu'ils se sont venus. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la sentence, elle était très claire. Le jour où tu manges du fruit, tu meurs. Bon, on l'interprète et on le traduit, tu deviendras mortel. Mais Dieu est amour. Il ne tue pas Adam et Ève, comme il l'a dit. Il lui donne la possibilité de se racheter, de rencontrer l'amour de Dieu et de pouvoir être sauvé. Et c'est cela qui est beau dans tout ce passage. Même si l'homme perd le paradis, il est mortel, il est devenu, comment dire ça, mauvais, parce que malheureusement le péché a déjà dénaturé son être, on le voit, il condamne la femme, tout de suite, c'est pas moi, c'est elle. Il sait très bien qu'il y a une sentence de mort derrière, tant pis si c'est elle qui trinque, je sauve ma peau. C'est la réaction du mal qui est en nous qui fait ça. Il n'y a plus cet amour de l'autre. C'est l'amour de soi qui prédomine. Et donc, Dieu ne peut pas permettre que des êtres qui vivent dans l'amour de soi et dans le mal puissent perpétuer le mal éternellement. C'est pour ça qu'il leur donne un temps de vie et qu'il permet qu'il y ait l'amour. Saouli, tu voulais dire quelque chose? Par rapport à la sentence qui finit quand même par tomber concernant le serpent, puisque Dieu est juge, il y aura une fin à tout ce mal-là, comme tu l'as dit, mais c'est pas tout de suite non plus. Mmh. Comme pour Adam et Ève, pour le serpent, la mort n'est pas tout de suite non plus. Elle est à venir. Et je pense que ce temps-là est encore la preuve de l'amour de Dieu, de patience envers toutes les créatures, pour que le maximum puisse être sauvé. Et puis que chacun puisse s'exprimer, puisse démontrer ce qu'il a à démontrer. Satan prétend des choses et Dieu lui donne la possibilité de le démontrer. Mais dans ce chapitre 3, on l'a vu déjà dans l'étude précédente, Dieu va dire, voilà, moi j'ai une solution, cette solution c'est le Messie qui va venir. On en a parlé précédemment. Voilà donc cette grâce en action. Il y a jugement, mais il y a grâce en même temps. Donc le jugement n'est pas quelque chose qui vient négativement pour nous détruire. Ce n'est pas forcément une punition, ça peut l'être. Mais ce n'est pas forcément une punition. Dieu laisse à l'homme la possibilité de s'en sortir. Il y a d'autres exemples dans la Bible. On pourrait par exemple citer l'exemple du déluge, où Dieu voit que les hommes sont tellement mauvais qu'il ne peut pas laisser la terre continuer comme ça, sinon il ne pourra sauver personne. Donc il décide de sauver ceux qui sont encore bons. Il demande, et ceux qui veulent aussi être sauvés. Bien sûr. Il fait construire un bateau, mais pendant 120 ans, la construction de ce bateau va durer. Et pendant 120 ans, Noé va avoir toute la possibilité d'annoncer, de prévenir, de partager ce salut avec les hommes qui sont autour de lui. Quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, bien sûr. Et malheureusement, il n'y a que sa famille qui va accepter, qui sera sauvée à la fin. Donc, on voit encore, Dieu a un regard de jugement, mais au travers de ce regard de jugement, la grâce est toujours là, toujours présente, en action. Et puis j'aimerais aussi, en parlant de jugement et de grâce, il y a un texte très, très important dans la Bible qui parle justement de cela. Donc c'est 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, c'est-à-dire la promesse du jugement. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Et ensuite, en poursuivant le chapitre un peu plus loin, et le verset 15 qui dit « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est
votre salut. La patience de Dieu est notre salut, le salut de l'humanité tout entière. Et comme on l'a vu pour Noé, pendant 120 ans, Noé a prêché, et bien, il y a ceux qui n'ont pas cru, donc ils n'ont pas été sauvés. Aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte. Peut-être l'environnement est différent, on va dire, on n'est plus pas à l'époque de Noé, mais c'est pareil. À ce moment, il y a un jugement qui va se faire et Dieu, par sa grâce, par son amour, il nous prévient. Il nous prévient, il ne force personne. Seulement, il faut accepter ou il faut refuser. Mais après, il ne faudrait pas qu'on considère Dieu comme étant injuste parce qu'il fait vraiment preuve de patience. Voilà. Le jugement est quelque chose, dans la parole de Dieu, de certain, d'inéluctable. Le jugement aura lieu, on l'a lu tout à l'heure. Pour tout, que ce soit caché ou pas, il y aura un jugement. Seulement, ce jugement... on a face à ce jugement deux possibilités. Ou se repentir et revenir vers Dieu, et à ce moment-là, par la foi, nous obtenons le bénéfice du sacrifice du Christ, ce qui nous sauve du jugement. La grâce est active et le jugement devient pour moi une libération, parce que je suis au bénéfice de la grâce. À côté de cela, il y a celui qui refuse, et à ce moment-là, le jugement ne peut, dans ce jugement, il ne peut bénéficier de la grâce puisqu'il refuse. Donc le jugement devient condamnation pour lui. Donc pour celui qui croit, le jugement est quelque chose de positif. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans Jean au chapitre 3, au verset 16, le Seigneur est très clair dans ce qu'il dit. Jean 3, 16, si on veut bien prendre le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, donc vous voyez un texte très fort. Celui qui a la foi n'est pas jugé. C'est-à-dire que il n'est pas jugé, c'est pas seulement ça, c'est qu'il est jugé en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est jugé pour lui, puisque par la foi, Jésus a porté sa condamnation, il a porté son péché. Or Jésus a vécu la sentence. Donc en Jésus-Christ, je suis déjà jugé. Vous comprenez? Donc, je suis jugé et condamné. Or, vous savez que par principe, quand on a été jugé et condamné pour une sentence et qu'on a pour une faute et qu'on a subi la sentence, on n'est plus redevable face à la loi. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginons que vous soyez, excusez-moi, Marthe, que vous soyez condamné par la justice à 3 ans de prison. On ne va pas dire ce que vous avez fait de mal, quand même. Mais vous êtes condamné à 3 ans de prison. Eh bien, ces 3 ans de prison, quand ils seront effectués, on va vous relâcher. Et personne ne pourra vous réclamer quoi que ce soit. Oui, c'est ce qu'on dit, j'ai payé ma dette. La dette est payée. Oui. Eh bien, en Jésus-Christ, la dette est payée. Tout à fait. Jésus a pris la condamnation. Donc, devant le jugement, je suis déjà jugé. Donc, je n'ai plus à être jugé. Vous comprenez pourquoi Jésus, ici, c'est Jésus qui parle. Et il dit que nous ne sommes pas jugés. C'est dans ce sens-là. Parce que nous sommes jugés en Jésus. Parce que par la foi, c'est en Christ que nous sommes. Nous sommes au bénéfice de la grâce, du salut que Jésus a apporté, puisqu'il a porté la condamnation à ma place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient. Cette possibilité m'est offerte seulement grâce à la foi que j'ai au sacrifice de Jésus. Ça, c'est pour cela que c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Là, le texte est très clair. Ça vous dit? Jésus-Christ, en d'autres circonstances, a dit que nul ne va au Père que par moi. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, le salut en question, c'est lui qui l'offre, mais il faut effectivement avoir la foi en lui. Autrement, on ne peut pas... La Bible est claire, il n'y a de salut qu'en lui seul. On ne peut pas être sauvé autrement. Quoi que puissent en dire les hommes, on les respecte, ils ont leur foi. Mais si nous nous appuyons sur la Bible, la parole de Dieu, lui seul peut apporter le salut.
Et puis, il y a aussi un autre aspect que, enfin, du jugement que je vois, le jugement de Dieu, c'est aussi une justice aussi pour ceux qui croient, pour les justes. Parce qu'il y a un test dans la Bible qui m'a interpellée. Une fois, c'est vrai qu'on se pose toujours ce genre de questions, mais oui, les méchants, enfin, ceux qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu, qui ne respectent pas ses commandements, etc., ils prospèrent, ils sont heureux, etc. Et que nous, on a souvent tendance à nous considérer les malheureux de la terre. Et donc, des fois, quand on a des soucis, etc., on se dit, mais oui, mais Seigneur, mais regarde, nanana, pourtant je te sers, pourtant. Et là, il y a une conversation dans Malachie 3, le verset 13, disons jusqu'au verset 16, même jusqu'au verset 22. Et là, les gens vont parler entre eux. Oui, à quoi bon de servir Dieu, etc. Voilà, les méchants, les arrogants, ils prospèrent, etc. Et l'Éternel va être attentif à ce discours, à ce partage. Et il va dire, mais attendez, vous verrez, un jour vous verrez bien la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et cette différence, ça va être le jugement. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce jugement, Dieu l'a prévu, on l'a vu, à un moment précis, et dans l'Apocalypse, on nous annonce l'heure du jugement est venue. Apocalypse 14, je pense qu'il faut vite quand même dire quelques mots par rapport à ce texte qui est très important. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Voilà, donc un texte très fort qui vient nous dire qu'on annonce l'évangile, hein, cet ange qui annonce l'évangile éternel, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, l'évangile éternel, c'est le salut en Jésus-Christ, qui est annoncé à toute la terre. Donc c'est quelque chose de mondial. Hein? Toute tribu, toute nation, toute langue, tout peuple. Donc, il arrive un moment où, partout dans le monde entier, on annonce l'Évangile. Or, on peut dire qu'on est dans cette période. Parce que l'Évangile est prêché partout. Dans tous les pays du monde, on prêche Jésus-Christ. Et pourtant, en prêchant cet Évangile, cette grâce, eh bien, il faut aussi rappeler que c'est l'heure du jugement. Donc, vous voyez, l'Apocalypse qui voit l'avenir, hein, Jean qui a ses prophéties sur l'avenir, le jugement commence avec Adam et Ève, mais va jusqu'à la fin. On ne peut pas dissocier la grâce, le salut et le jugement. Dieu est un Dieu juste. Il sauvera tous ceux qui voudront être sauvés, mais ceux qui ne le voudront pas, comme pour le déluge, eh bien, et ils subiront la conséquence de leur choix. Parce que nous avons le choix d'être avec Dieu ou pas. L'heure du jugement est venue, ça a commencé. Bon, on n'est pas là pour parler du temps, mais ça a commencé. L'heure du jugement, il faut l'annoncer, l'heure du jugement est venue. Et alors, il faut craindre Dieu, c'est-à-dire avoir le respect de ce qu'il est, de sa parole, et adorer, en plus, on nous dit, l'être créateur, parce que Dieu est le créateur. Et ça, on l'oublie aussi beaucoup, dans nos milieux actuellement, même dans les milieux chrétiens. On oublie trop facilement que Dieu est le créateur. Oui, on a parlé tout à l'heure de la prophétie de Genèse 3,15. Ici, on voit donc dans l'Apocalypse l'aboutissement, finalement, puisque le jugement a commencé. Ça veut donc dire que la grâce dont on a parlé tout à l'heure aussi, il y aura un temps de la grâce qui va aussi se fermer, qui va aussi finir. Ah, mais quand le jugement se clôt, la grâce, sauf pour ceux qui l'ont obtenue, elle restera pour eux. Oui. Mais à un moment donné, la grâce ne sera plus dispensée. C'est comme l'histoire du déluge. Quand la porte de l'arche a été fermée, ceux qui étaient dehors, c'était fini. Je crois que Dieu est clair à ce sujet-là. Voilà. Cette notion de jugement n'est pas là pour nous faire peur. Je voudrais que nos amis internautes puissent le comprendre. On a parlé de grâce et de jugement intentionnellement. Le jugement n'est pas là pour nous faire peur.
il est là pour nous rappeler que de toute façon, qu'on le veuille ou non, Dieu sera à un moment donné amené à juger toute chose parce qu'il ne peut pas laisser le mal éternellement régner. Il jugera pour mettre fin au mal. Mais Dieu, dans son amour, nous appelle tous à recevoir le bénéfice de la grâce. Il est venu lui-même, il est mort sur la croix, il a souffert, on l'a dit dans l'étude précédente, d'une manière horrible, parce qu'il nous aime, pour nous permettre d'échapper à cela. Alors il nous dit maintenant, je t'aime, je suis un Dieu de grâce, mais un Dieu de grâce qui reste juste. Je t'offre ma grâce. Si tu l'acceptes, tu en as le bénéfice et tu es sauvé. Tu n'auras pas à subir le jugement, la condamnation. Par contre, si tu ne veux pas m'écouter, si tu ne veux pas de ma grâce, j'en tirerai moi-même les conséquences. Quand je devrais mettre fin au mal, je devrais mettre fin aussi à toi. Parce que tu fais partie du mal. Voilà comment Dieu, la parole de Dieu, conçoit la grâce et le jugement. La grâce est pour tous les hommes, comme le jugement est pour tous les hommes. Mais si nous sommes tous, si tous acceptent la grâce, le jugement est positif. À nous de faire le bon choix. À vous, chers internautes, de savoir choisir aussi le bon choix et d'être avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse.